Et maintenant, voici le clip qui a lancé ma carrière internationale. En fait, ça n'a pas été une grosse carrière internationale, mais le clip a quand même tourné un petit peu partout dans le monde à l'époque parce que, évidemment, il venait derrière l'énorme succès qu'avait eu Il s'aime en français. Le gros clip de ma carrière, c'est celui en tout cas qui a appuyé la chanson qui a le mieux marché pour moi. Je me souviens d'une émission de télévision que j'avais faite à la télévision française qui se passait au Moulin Rouge. Et on m'avait proposé pendant cette chanson de descendre un grand escalier où il y avait toutes les danseuses du Moulin Rouge, seins nus, qui me regardaient descendre comme ça avec leurs plumes. Et je leur ai dit, ça ne correspond pas vraiment au sens de la chanson. Et si ça ne vous gêne pas, je préférerais la faire autrement. Ils ont accepté mon raisonnement. C'est jamais très évident de s'insérer dans l'interprétation d'un réalisateur.
qui, bon, lui entend la chanson, la voit autrement, évidemment, que ce que j'ai pu concevoir moi-même en l'écrivant. Voici une chanson qui a inspiré un réalisateur à faire quelque chose qui correspond quand même, je crois, à l'époque de l'écriture de cette chanson-là, et sans vraiment complètement correspondre à ce que moi je voulais faire, c'est quand même l'idée générale est donnée. Puis, bon, dites-moi ce que vous en pensez. Enfant du cynisme, armé jusqu'au